Le milieu de l'art contemporain est un monde aux expériences peu communes. Voici la dernière née. Trois vieux copains qui se connaissent depuis 15 ans, tous trois peintres, décident de s'enfermer pendant 7 jours pour produire 75 études et croquis sur toile. Les habitués des foufounes électriques les connaissent très bien. Ils ont maintes fois participé aux événements peinture en direct. Ils, bien, ce sont PDG, Pedneau, Deshôtel et Godreau. Vous êtes vraiment enfermé pendant 7 jours. Oui. Pendant 7 jours, vous avez créé sur des thèmes différents? Ben, c'est-à-dire, nous, on a choisi les 7 journées de la création. Simplement parce que quelqu'un nous a dit « Allez-vous avoir un thème? » On a dit non. Il a dit « Ah, ça serait peut-être, ça vous aiderait peut-être à avoir un thème. » Puis le hasard a fait les 7 jours de la création. Puis un coup qu'on a décidé le thème, après on a dit « Ah oui, il y a 7 péchés capitaux aussi. » Parce que là, c'est qu'il y avait un autre sujet à travailler aussi. Ça fait que finalement, c'est aucune raison, là, les 7 jours de la création. C'est juste un thème. Ça donne créer ensemble? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne filez pas sur les pieds? Ben, on est très habitués de travailler ensemble. Non, on voit ça, nous, comme si on était des musiciens. Chacun travaille de son instrument chez eux, c'est-à-dire chacun a sa propre production, sa production personnelle. Plus, des fois, on se rencontre, puis on mélange nos trois choses ensemble, puis on s'influence. Non, on ne se file vraiment pas sur les pieds. Parlant influence et musique, PDG a invité un musicien, Rick Wild, à participer à l'événement en créant un environnement sonore. C'est avoué que sa musique nous influençait, que lui, ses images influençaient sa musique aussi, c'est-à-dire il lui aidait à trouver l'atmosphère aussi. J'ai essayé de me tremper dans un bain d'imagination, tu sais, et puis d'imaginer si, admettons, j'étais Dieu, comment j'aurais créé l'univers, comment j'aurais senti ça, admettons. Les étoiles et puis tous les mouvements des planètes, tout ça. Le vernissage de l'exposition PDG a lieu aujourd'hui au 4247 Saint-Dominique et vous pourrez y voir des tableaux qui sont... C'est figuratif, surréaliste, rococo, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. C'est PDG. C'est PDG, c'est ça. Élisabeth Paradis pour Première.